Continuer avec nos études sur le fondement de la vie chrétienne et nous semaine dernière nous dit touche et tu commences concernant le parler en langue. Amen. Et nous vous continuez encore et bon, vous faites une récapitulation un petit moment, mais nous verrons de la Bible, vous mettez un texte de base, toutes les écritures sont inspirées de Dieu. Amen. Pour nous enseigner. La Bible même, nous ne passons, nous n'en enseignons que la Bible même, il y a un livre inspiré de Dieu. Amen. En qui nous capable de mettre nous la vie, nous pose le fondement de nous la vie sur ce livre. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Amen. Le verset 2. Et moi, dix autres semaines dernières, nous vous passons du temps. Et quand ce livre à la maison, lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, un petit romain, vous dites, je t'appelle. Amen. Quand nous disons romain, pas sauvé, pas pour prendre des voix pour. Non. C'est pour ce cas pli comprendre. Et le livre de Romains, chapitre 8, est continuellement lié à lui. Et moi, j'ai une petite question pendant la semaine concernant 1 Corinthiens 14. Si Dieu le veut, nous vous répondons cette semaine. Ou si Dieu le veut, semaine prochaine, nous vous laissez le Saint-Esprit guider nous pour nous capables et comprendre les Écritures. Amen. Et moi, j'ai une petite chose par acte de ma réunion de vendredi. Qui fait un plaisir de ça parce que chaque réunion est connectée avec lui-même. Parce que vous perdez une réunion, elle est la plus difficile pour être capable de connecter, pour être capable de suivre. Parce que ça, l'étude est pour connecter. Qui fait un plaisir de ça parce que Dieu me dit à moi, prends le temps pour expliquer. C'est-à-dire que tu as l'idée de l'accélérateur net. Amen. Si bizarre pense qu'à la fin de l'année pour expliquer un sujet, nous vous prenons lit. Mais qui est capable, toutes les personnes qui sont là, et mon rédiali, mon pour rédiali, mon pour continuer d'yali. Mais même dit mon qui, même n'est pas qu'on lire, n'est pas qu'on écrire, n'est pour bien comprendre. Parce que Dieu content sans dit mon qui, même n'est pas qu'on lire, n'est pas qu'on écrire. Amen. Oui. Amen. C'est le fondement de l'Église. Ne pas mettre le fondement sur l'éducation, nous besoin d'éducation. Oui. Mais aussi, nous besoin comprendre qu'il y a quelqu'un qui, même n'est pas qu'on lire, n'est besoin comprendre les Écritures. Parce qu'il m'a dit ça pour un verset. C'est pour ça qu'il m'a content de détailler la parole. La Bible dit comme ça, la foi vient de ce qu'on lit. Non. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, Dieu connaît la mandibule pas pour dire. Parce que sinon, tu peux dire la foi vient de ce qu'on lit. Vous comprenez moi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Amen. Vous pouvez comprendre moi? Amen. Vous voyez qu'on est kiffé, mon plaisir, ça. Mais pour God, tout encourager. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit comme cela. Je connais beaucoup de fois, et nous. Titrer une réunion, mais quand nous tenons cette réunion-là, enseignement biblique. Qui peut l'enseigner biblique? Non. Nous gardons dans la simplicité, pas oublier le titre, tiens ce titre-là. Nous nous mettons une réunion d'enseignement, mais simplement l'enseignement, et qui tout le monde, n'est qui base, dit qu'à comprendre ce que nous pensons. Et c'est notre devoir de le faire, toute la gloire à Dieu. Le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 2. On met un texte de base. Pour faire une récapitulation, c'est qui nous diffère et nous pensons 5 aujourd'hui. Et nous t'y plusieurs questions, nous t'y dire, nous t'y mettons de projection. C'est quoi le parler en langue? Nous t'y décrire ça bien semaine dernière. Vous êtes en même? Amen. Est-ce qu'il est biblique? Est-ce que la Bible dit qu'il nous vient parler en langue? Il y a pourtant ça. Et nous t'y décrire, nous t'y mettons plusieurs versets semaine dernière et nous n'avons trouvé que oui, la Bible claire et nette, noir sur blanc, parle. Une petite chose, c'est que oui, nous parlons en langue. Vous êtes dans le même? Et aujourd'hui, nous pourrons regarder comment il était, qui lui ressemblait à parler en langue. Quel langage il était, comment nous sommes capables d'écrire cela, nous pouvons ça aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mauvais dire. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est-à-dire quand nous parlons en langue, nous-mêmes nous pas comprend. C'est ce que la Bible dit. Amen. Mais l'esprit, c'est que quand nous pouvons faire ça, nous pouvons parler des choses de mystère. Vous êtes amen? Amen. Et le verset 4. Le verset 4. Celui qui parle en langue sédifie lui. Lui-même, celui qui parle en langue, il édifie lui-même. Nous disons à Dieu merci pour ce parole. Papa,
Dans le nom de Jésus-Christ, je veux louer toi, Papa, mon Dieu, merci. Bénis cette parole qui nous faut entendre. Père, mon pas capable, je suis un homme. Je vous demande que la grâce, Saint-Esprit, m'amène toute ma pensée captive à l'obéissance de cette parole et de sa peuple-là. Vous êtes capable de comprendre les profondeurs de cette parole, Papa. Et vous les louez, toi. Vous dites toi, merci, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Amen. Pour faire une petite récapitulation, je vous gagne l'écran et ce qui me fait la semaine dernière. Bon, vous refassez l'eau là parce qu'il y a pourtant. Ceux qui partent là sont capables de regagner un deuxième débat, un redécoller ensemble avec eux pour être capables de comprendre. Parce que ce qui m'a causé aujourd'hui dans ce sujet-là, pas pour long, mais ce qui m'a causé aujourd'hui de vous connecter à ce qui nous enseignait la semaine dernière. Amen. Et nous finissons expliquer c'est quoi le parler en langue. Nous finissons expliquer que c'est un langage venant du ciel. C'est un cadeau que Dieu vient de nous ça. Amen. Amen. Quand nous parlons en langue, nous-mêmes, moi-même, je ne peux pas comprendre ce qu'il veut dire. Mais c'est le Saint-Esprit. Nous expliquons que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est l'Esprit qui habite en nous, le Saint-Esprit. Il prend le langage du ciel, il servit ça dans nos cordes vocales et il fait la prière parfaite. Amen. Et nous sommes décrédits que le parler en langue dans le langage des cieux, mon écrit en créole, c'est un cadeau. Moi, tu définis c'est quoi un parler en langue. La version que je mettais en anglais, je pouvais lire en anglais et puis je pouvais lire en créole pour tout le monde qui comprend. Le parler en langue, c'est un langage du ciel. Speaking in tongues is the language of heaven. Qui vient de nous. Dieu vient de nous gratuitement à travers de ce l'esprit qui habite en nous par la rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ vient acheter nous, sanctifier nous par ce disant. Jodi, nous vêtements dans le monde spirituel, les blancs. Le Saint-Esprit qui habite en nous, je peux comprendre moi, je suis passé de t'expliquer tout cela. Mais qui, Saint-Esprit qui habite en nous maintenant, lui inspire nous pour causer sa langage. C'est lui qui met sa langage dans nous. Et quand nous pour causer, c'est lui qui parle à travers de nous. Amen. Je t'explique la semaine dernière. Vous êtes la même? Et aussi, nous capables de dire que cet langage peut être entendu du ciel. Dieu comprend sa langage là, nous ne pouvons pas comprendre. Mais le Saint-Esprit, il fait un soupir inexprimable qui nous dit guetter dans le livre de Romains, chapitre 8. Il parle ça de nous. Vous êtes là même? Amen. Maintenant, nous dit aussi guetter, est-ce que le parler en langue est biblique? Nous rentrons dans tout le verset de la Bible, nous devons guetter et nous devons trouver que il devons écrire que le parler en langue vient de Dieu. Amen. Semaine dernière. Le tilan, semaine dernière. Amen, 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 amen. Nous devons mettre ma biblique, nous lire la Bible, nous ouvrir. Et nous devons trouver que Dieu vient dire, en mon nom nous parlerons des nouvelles langues. Amen. Le Saint-Esprit vient descendre, ma disciple vient parler. Nous devons aussi guetter que Paul lui-même dit, je parle en langue plus que tout le monde. Vous êtes la même? Amen. Et tout ce que moi, dit, un secret ça. Vous êtes la même? Amen. Maintenant, mon aussi explique que semaine dernière, quand Paul de guette l'écriture, quand vous êtes à comprendre, qui Paul finit d'écrire, il y a quelqu'un qui est vraiment profond dans lui-même. Quand il explique les choses d'en haut, il explique les choses de la Bible. Et pour moi, quelque part, pour nous capables de connecter avec les ciels, pour nous capables de recevoir des révélations, Paul finit de montrer nous la réponse est simple. Je parle en langue plus qu'il n'y a pas de quelqu'un. C'est-à-dire, plus nous parlons en langue, plus nous prenons des choses d'en haut, on emmène dans nous la vie. Pour connecter. Tout ce que moi, je dis Paul est en langue. Amen. Maintenant, nous pouvons guetter aujourd'hui, nous te dire, et nous vous parlons ça aujourd'hui, le thème c'est qui nous pouvons guetter aujourd'hui, comment il ressemblait le parler en langue, qui était ça? Amen. Et vous pouvez partager un petit peu, vous commencez ça avec une base. Je te rappelle, semaine dernière, moi t'explique ça, depuis bien petit, toute la gloire pour mon Dieu, toute la gloire à Dieu. Depuis bien petit, Dieu t'y montre moi comment pour discerner la voix. Moi t'explique ça. Comment tu as la voix des hommes, comment le diable veut te penser. Amen. Dieu permet, qui fait mon passe là-dedans? Parce que Dieu permet mon passe là-dedans, pour qu'on enseigne à eux. Je ne pas plus meilleur que personne. Tu Amen. Bien. Peut personne qui est plus meilleur. Au contraire, quand une ville là, je suis à table, moi je suis invité. Je suis assisé à table, je peux prendre manger dans mon main, je peux servir. Qui s'en a plus grand là? C'est eux, toi, moi. Qu'est-ce que c'est? Je peux payer. Attention, parce qu'il y a quelqu'un qui s'en fait, après vous demandez vos affaires. Non. Vous pouvez causer la vérité. C'est la même. C'est eux qui plient important. Amen. Dieu dit à Pierre,
Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, je t'aime, Seigneur. Alors, prends soin un moment de brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Alors, prends soin un moment de brebis. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, toi, toi, continue. Alors, prends soin un moment de brebis. Allez, alors, prends soin, alors, prends soin. Irvin, remercie, Irvin, allez, prends soin. Amen, amen, amen. Vous êtes amen? Ça veut dire ce moment de brebis et dans un grand valet. Amen, amen, amen. Pouli. Mais ça vient tout le temps dans notre tête. Amen. Ce man brebis, les mots pour ce man brebis. Amen. Afin qu'il y ait dans la vie en abondance. Amen. Si mon cas dit qui m'ont été dans le monde spirituel, moi, je me mettre un tablier, moi, je servir. Amen. Vous êtes parce que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui arrive. Plus tu remontes, plus tu crois, bien sûr. Il différent. Ici, plus tu remontes, plus tu viens. Tu sois ministre, tu premier ministre, tu viens ancien ministre. Tu veux comprendre moi? Tu es président, premier président, deuxième président, depuis plus haut. Le monde spirituel dit. Dieu dit, on est fait mon plaisir, ça pour qu'on mette ça bien dans notre tête. Maintenant, pour Jésus, une question, qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Jésus dit, bénis mes petits enfants, bénis mes petits, bénis mes petits enfants. Le royaume de Dieu, le plus grand du royaume de Dieu, il commence à dire un enfant. Comme un enfant, il représente. Amen. Plus quelqu'un est innocent, plus il vous pille dans le royaume de Dieu. Amen. C'est la même? Amen. C'est pas le thème de mon message. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Des fois, un jour, je me suis approché, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire, ma frère, moi, j'aime gros. Et ma mère, je me suis dit, frère, nous dis, j'aime gros. Je me suis dit, ok, moi, dans l'intérêt, continue mon message. Je me suis dit, gloire à Dieu, béni Dieu. Amen. Amen. Maintenant, nous pouvons être un petit peu dans profondeur. Et moi, pour partager une expérience personnelle, intimement, mais nous pouvons guetter comment il ressemblait. Et moi, vraiment, quoi qu'à partir de la semaine dernière, je trouve beaucoup de personnes qui sont libérées spirituellement parce qu'ils ont senti ce qui, quelque part, oh, au moins, je n'ai pas parlé avec maman. Ok? Mais aujourd'hui, nous pouvons regarder comment nous parler en langue ressembler. Et moi, vraiment, quoi qu'aujourd'hui, ça pour libérer eux. Parce que beaucoup d'entre nous, le diable joue dans nos pensées. Et il y a des choses pas mortes ensemble. La foi et le doute. Du moment où il y a un doute, frère, mais comment vous dire ça? Vous pouvez expliquer comment ça marche. Tant Pierre tient dans la foi, il se mort sur le délo. Comment un petit goutte doute rentre dans ce léguer, il coule. Beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas vivre la vie spirituelle à la liberté que Christ vient amener à cause d'un doute dans le léguer. Et moi, je ne passe pas là, tu allais au portail, ça avec eux, et moi, vraiment, quoi, ça pour libérer eux. Mais nous pouvons regarder nouvelle le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous pouvons guetter qui lui ressemblait le parler en langue. Tu sais comment dire le parler en langue? Le Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 8. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 8. Nous te nous connaissons cet épisode-là. C'est l'épisode de la Pentecôte, côté Saint-Esprit qui descend. Amen. Un petit moment, on peut expliquer le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Intimement, nous pouvons expliquer le parler en langue, c'est quoi? Et je termine avec l'expérience qui m'a même fait passer. Et ce qui m'a fait passer dedans, il faut bon me partager ça avec eux pour qu'ils s'allient ouvrir ce précaire et ils donnent sa liberté là. Beaucoup de fois, mon homme de Dieu nous dit, Seigneur, qui fait que permet ma pensée d'un petit peu, qui fait que permet ma passe par là? Les saints, pour ne pas avoir une souffrance des autres. Amen. Vous êtes amen? Le fait là, vous pouvez lire la Bible, vous dire, Seigneur, vous arrêtez dans la lecture de la parole, vous dire, Seigneur, remplis-moi de miséricorde. Merci. Dieu dit une affaire, dit comme cela. Je n'ai pas besoin des sacrifices. Ce qui m'a pu attendre, c'est la miséricorde. Miséricorde, c'est quand nous sentons douleur des uns des autres. Amen. Quand nous venons manger, nous sentons ce douleur. Amen. Quand nous faisons des rires, nous avons merci, nous avons miséricorde qui nous passe. Mais nous allons qui nous capables de comprendre. Amen. Parce que Jésus-Christ, si tu as quelqu'un qui est là pour venir juger, beaucoup disent que vous disiez. Amen. Mais il vient de dire, pas venir nous la terre pour juger. Mais les paroles qu'il m'a fait dire, le livre de Jean, chapitre 13, les paroles qu'il m'a fait dire, sa parole-là pour Tibout. Sa parole qui m'a enseigné, ça qui vous juger. Jésus-Christ dit, il m'a pas venir juger pour personne. Vous êtes amen. Amen. Le livre de l'Acte des Apôtres, chapitre 2, le verset 8. On y est à partir du verset 4, je t'amène, mon café à la lecture. Amen, amen. Ok, nous voyons tout doucement, pas inquiète.
Et tout à coup, le verset 2 vous finit. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où vous étiez assis. Des langues qui semblaient à des langues de feu et qui séparaient les uns des autres leur parure, elles posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Je te dis, c'est qui le Saint-Esprit de nous pour exprimer? Dire. De nous exprimer. Langage spirituel, quand vous causez, chacun est dans ce langage selon le Saint-Esprit donné pour l'exprimer. Comprends-moi bien, mais maintenant, point important. Il faut vraiment quoi ça pour libérer. Amen. Oh, il avait un séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont du ciel. Au bruit qui se produisit, une multitude s'accourut et se fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hauts d'eux-mêmes et dans l'admiration, ils disaient, voici ces gens, ils parlent, qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Bien pourtant, le verset 8. Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine, la Cyrène, et tout ce qui est venu de Rome, juifs et prophétiques, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns, que veut dire ceci? Guide-moi maintenant, nous rendons direct. Pourquoi passe pas 4-5 chemins? Nous rendons direct concernant le parler en langue, comment il était. Le parler en langue, quand nous pouvons guetter, nous trouvons qu'il y a plusieurs langages. Et comme on peut titrer mon langage, hein, Pamphylie, chacun peut cause dans le langage, et là, un qui peut tourner de l'autre côté, mais il peut tourner ce langage. Mais ça, 10 personnes qui peut parler là, il n'y a pas connu qu'il peut dire. Je peux suivre moi. Amen, amen, amen. Et là, une petite chose, quand nous pouvons étudier les dons, les 9 dons du Saint-Esprit, il y a un don qui appelle le don de parler de diverses langues. Et là, mon homme de Dieu, mon missionnaire, je t'allais, je ne pas qu'un langage zoulou ou langage de ça, mon kiken, mon pygmé ou mon montagne. Quand je commence par la langue, dis-moi la comprendre. C'est mon don que Dieu donnait selon ce l'Esprit. Amen, amen. Je peux suivre moi. Là. Maintenant, get sa langage, nous arrêtons lentement. Ça dit monde qui peut dire, là, il n'y a pas connu qui peut dire, mais ça dit monde de l'autre côté, il peut donner son propre langage. Ok? Oui. Maintenant, un dit monde peut dire, how are you? Qui manière? Un autre dit monde dit, comment ça va? Vous êtes d'accord? Oui. Un autre dit monde peut dire, c'est balakir. Un autre dit monde peut dire, ça m'a le langage, ça qu'un fin de dit dans une manière. Oui, oui. Suivez-moi bien, vous parlez doucement, vous êtes capable de comprendre. Ce syllabe et ce mot les différents. Ça dit monde qui peut dire là, il pas connaît. Dit monde qui peut recevoir à ce moment-là le Saint-Esprit fin descend. À ce moment-là fin énorme la manifestation le don de parler de diverses langues. À cause ça qui maintenant fin donne plusieurs langages. OK? Maintenant nous quand nous vous parlons en langue, ça vous libère beaucoup de personnes. Quand nous parlons en langue, fait comment dire, moi prendre l'exemple. Moi obligé de dire comme ça je ne comprends pas. Moi peut dire ou pas connaît qui vous peut dire. Le diable gagne beaucoup de chrétiens si ça vous. Je fais mes affaires dans la tête, fais-toi croire. Pour dire, moi, je peux causer un langage. Non, moi-même, je vais comprendre. Tu vois, je n'arrête pas. Si vous langage, badabada ou bidibidi, ou n'importe comment il était, vous pouvez comprendre quelque chose, ce que vous pouvez dire là, à ce moment-là, ou pas connaît ou qui vous peut dire. Oui, oui. Le principal. Vous êtes d'accord? Ça veut dire ce qui vous peut dire. Beaucoup de monde, vous venez là, petit maman, beaucoup de personnes sont capables de recevoir le parler en langue, mais quand ils sont tirés, je peux. Vous venez dans quelque chose. Ce qui vous venez est dans quelque chose qui appelle le baptême du Saint-Esprit. Donne-moi bien. Le baptême du Saint-Esprit, mon désir trouve un dimon. Je prends l'exemple, je vais comprendre. Il n'y a pas comme le Seigneur, il lève sur la main. Sa jour là, il pleurait, le Seigneur, il tous se déclare. Il met à genoux, il dit Seigneur, pardonne-moi pour qu'il m'ait péché. Mais qui s'en est tous sa personne? Le Saint-Esprit. Oui. Il finit recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'un dimon, il peine dans le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, maintenant, à travers, il demande la repentance. Le Saint-Esprit qui habite en lui. Le parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tellement bien. Le parler en langue, c'est l'évidence que le Saint-Esprit est en moi. Ouais. Vous comprenez, moi, là? Mon cousin est notre langage. Vous trouvez ce pays? Vous réclarifiez, moi, désolé. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il habite en nous. Mais le parler en langue, il ne pas veut dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le parler en langue, c'est un cadeau qui vient du ciel. Vous pouvez comprendre? Amen. Il y a un cadeau qui vient du ciel. Quand on parle en langue, ça me démontre que le Saint-Esprit est avec moi. Je vais prendre un exemple pour que je puisse comprendre. Bien. Comment vous connaissez mon fait que soit égalé? Premier qui chose vous trouvez? Transpirer. Transpirer. Après moi. Mon transpiration, c'est une évidence qui montre mon galoupé. Je peux comprendre. Il paraît. Le parler en langue, c'est un cadeau venant du ciel. C'est un cadeau qui vient du ciel là. C'est le Saint-Esprit qui vous prend, qui vous met. Mais le Saint-Esprit est déjà en nous. Amen. L'évidence que le Saint-Esprit est en nous, c'est qu'il m'a pu dire un mystère maintenant. Tout à même? Amen. Un ticket traverse la porte là. Un ticket traverse la porte là. Il descend dans le bâtiment. Il descend là. C'est-à-dire qu'il est là. Tout à même? Amen. Maintenant, il met un parfum extra-ciel. L'odeur de sa parfum, le parfum de sa parfum, hein? Fané, je connais à travers de sa petite chose là, de sa parfum là, que cette personne est présente. Je vais quand même comprendre maintenant. À travers de sa parfum là, ça montre que cette personne là est présente. Maintenant, pour mon capable, commence par la langue. Première petite chose que vous êtes tiré dans la tête, vous êtes tiré ça bien dans la tête, que le doute pour bloquer le parler en langue. Un dimanche, quand la première fois pour moi, je parle en langue, je dis allez, développez, tiens-y. Vous vous sentez quelque chose sorti, tiens-y. Moi, je suis loin. Plusieurs qui viennent nous trouver. Là, nous allons faire counseling, on explique-lui, tiens-y, cause-lui. Maintenant, comment vous sentez sa parole là, sorti ou pas? Écoute-moi, je vous explique ça. C'est une chose qui me pensait jamais, moi-même, je ne parle pas là-dedans, mon sein. Mais seulement, vous poussez par le Saint-Esprit, je peux bien faire que vous êtes capable d'être libéré. Qui que ce soit qui vous est capable de penser pour dire, laisse-le sortir. Amen. Parce qu'il y a ça, il est différent. Langage de Perse, de Mède, d'Égypte, d'Arabe, tout qualité. Laisse-le aller. Let the flow go. Laisse-le sortir. Amen, amen. Parce que vous-même, premièrement, c'est vous-même, vous n'avez pas pour comprendre. Amen. Vous êtes amen? Le baptême du Saint-Esprit, beaucoup de personnes, Dieu ne finit toujours. Au milieu de la louange, l'adoration, on lève la main. Maintenant, tenez-moi bien. Ça pas arrive avec moi à cause de ça qu'ils ont dit que je suis dit. Mon autre monde à côté de moi, rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient descendre dans notre vie, je parle en langue directement. Tenez-moi bien. Mon vie explique que le Saint-Esprit agit dans chaque vie de chaque quelqu'un individuellement. Amen. Il n'est pas pour bouche, moi dire quelque part. On prend un exemple. Et un démon est capable de réveiller à travers un rêve. Et un démon, même il réveille, Dieu connaît quand il peut réveiller, il n'est pas pour écouter. Il y a même quelqu'un devant lui. Dieu peut agir avec chaque personne d'après sa capacité. C'est la Bible qui dit. Le Saint-Esprit vient de Dieu de l'habilité pour exprimer selon ce qu'il y a en vie. Je peux comprendre moi-même, mais doucement pour tout le monde qui a compris. Ok? Maintenant, pour libérer eux, beaucoup de gens qui ont quand vous parlez en langue, vous parlez en matin, vous parlez en martien, vous parlez en morse. Pas au problème ça. Amen. Je peux comprendre, moi? Comment ils sont ça, c'est un message de liberté pour libérer eux. Comment on peut ressentir ça pour sortir, dire les choses comment ils ont envie. Ou est-ce qu'il y a une seule chose qu'il ne faut pas ou bloque ou même. Le Saint-Esprit est tellement sensible, quand vous bloquez, un fois, deux fois, il n'est pas pour force. L'élève n'a tristé, il tire sur le pied, il n'est pas pour intervenir plus qu'il y a. Beaucoup de frères ne vont pas comprendre non. Nous pouvons nous là intimement. Et moi explique, qu'est-ce qui arrive moi dans mon jeune âge?
Une fois que je suis allé, je suis parti pour parler en langue. Je suis allé dans une réunion de manjane. Je trouve que manjane peut parler en langue. Je me dis que j'ai envie de parler en langue. Ce jour-là, maintenant que je vais prier ensemble, moi aussi, maintenant, je vais prier. Je vais prier en langue. Ta famille. Ça peut libérer beaucoup de personnes d'autres. Je retourne à la case, je dis que j'ai envie de parler en langue. Mais quand tu commences à gagner des trois petits mots, des trois petits syllabes, pour prendre l'exemple, il est capable de commencer par bidi, bidi, bidi. Moi, comprends-moi bien, c'est bien spirituel pour les autres. C'est pas un pardinant, c'est vraiment spirituel. Il commence par comme ça. Là, quand on commence à faire, personne, beaucoup de personnes attendent qu'ils se fassent, qu'ils se tombent en bas ou roulent pour se recevoir le Saint-Esprit. Tenez-moi bien. Le Saint-Esprit poisir dans chaque la vie du monde. Dans la manière que ça dit mon âme open, ça dit mon âme ouvert. Vous êtes la même? Si quelqu'un ne pas croire dans Dieu, Dieu pour toucher d'une façon extra, je vous trouvez que la puissance de Dieu pour capable tomber au quelque part. Pour moi personnellement, mon gagne un principe. Pour moi personnellement, mon gagne un principe. Ok? Et un démon capable d'être délivré sans qu'il vous même vous connaît. Vous prenez l'exemple. Et un démon comment un démon il possédait? Comprends-moi bien. Ou bien prier pour lui, avant de poser la main, il crie ah! Moi, je désire trouver. Moi, je désire trouver des bonnes causes en moi. Il y a un dialogue. Lui. Finalement, il dit moi, je ne suis pas content, toi, dis-tu, je dis ah, bien. Il dit cause en moi, il dit cause, il dit un petit dialogue. Il dit passe un bon moment. Il dit un dialogue, je ne suis pas si fort, toi. Il est bien content pour toi. Ok. Causer. Mais il y a un petit monde sans qu'il nous impose les mains, sans qu'il nous fasse quelque chose. Sans qu'il ne trouve aucun mouvement tranquille, délivré. Je veux bien comprendre sa base en même. Beaucoup de monde content, et pardonne-moi, mon petit ami, dans sa dernière temps, fais beaucoup attention. Appelle ça une exagération. Pas de saisir, une roulée, pas d'une crasée, pas d'une dire Dieu est là. Non! Non! Dieu poisir de façon que l'île n'a envie d'agir. Vous êtes capable de milier la louange, l'adoration, et quelqu'un n'est pas retombé. Laissez, pas rien d'accord. Dieu peut prendre le contrôle de Dieu. Amen. Et là, des fois, on dit que quand on peut prier pour lui, les démons l'ont manifesté. Et on dit que quand on joue, quand on peut en avoir, ça, si les arrivés, Dieu me permet de dire ça pour expliquer ça. Philippe, prier pour Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons possédé. Prier pour Dieu, non, n'est pas arrivé. Quand nous vient des deux, nous allons après des minutes, tout éclaté. Bam! Je connais pourquoi Dieu dit que je ne vais pas donner la gloire à aucun homme. Amen. Tu as prié, fais ton travail, tu as fait pour moi. Amen. C'est Dieu qui agit de plusieurs façons. Maintenant, dans cette vie, frère, je ne parle pas en langue, je ne avec eux. C'est ça qui t'arrive, moi. Là qui m'a fait, je pensais qu'il m'a besoin d'être tremblé, soit quelque chose tombe loin, depuis dans le ciel. Dieu agit dans n'importe quelle façon. Maintenant, quand on allait dans mon assemblée, on commence à dire ça, mon petit mot là. On commence à déborder mon doute. Je dis à tout bonnet, ce qui m'a fait, je fais. Et je dis ça même, petit mot qui me dit, je dis, mais je n'ai pas qu'il y a un store, ma quinte à vous. Parce que pourquoi? Parce que ça dit quelque chose là. Je prends l'exemple de mon enfant, quand je suis à l'école maternelle, je prends qu'on dit, xylophone. Je rentre à casa, papa, xylophone. X, Y, P, H, O, L, O, N. Xylophone. Non, non, non. Il me dit, ma béa, ba. Ça, béa, ba, là, il prend le temps pour dire. Amen, amen, amen. Si le fait commence avec Dieu, moi tu peux enseigner ça avec un quelqu'un, ce fait commence avec Dieu, normal, nous depuis pendant des ans, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous ne parlons pas en langue. Automatiquement, nous parlons en langue. Pas pour parler comme pour, parce qu'il nous développe. Lui. Amen, amen, amen. Je peux comprendre moi? Amen. Ça veut dire que quelqu'un qui ne parle pas en langue, si je ne pas attendre, ah yo, je peux dire attendre l'échelle, vous êtes tremblé. Non, 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 calmez-vous. Qui connaît ou finit gagne le baptême du Saint-Esprit. Et moi, quand je commence à développer ça, Dieu me permet de me capable de dire ça. C'est pourquoi tu passes ça dedans. Pourquoi tu regardes, explique ça. Amen, amen. Je peux comprendre moi. Amen. Je ne pas gagner d'une façon, mais c'est moi, je trouve quelqu'un à côté de moi qui lit, il lève son main, il parle en langue de suite. Dieu n'a rien de cette façon. Maintenant, si je viens là pour poser moi quelque chose, mes frères, qui fait un livre pour moi, non, parce que Dieu me permet de m'arriver là, je vais expliquer ça. Amen. Je peux comprendre moi. Parce que si tu ne peux pas passer ça, pourquoi tu ne peux pas expliquer ça? Parce qu'il y a beaucoup de mal chrétiens encore captifs, pas croire de parler en langue. Et qui fait le diable fait tout
Et il y a plusieurs petites choses que le diable fait. Le diable fait empêche-toi pour une réunion, empêche-toi pour une église, empêche-toi prier, empêche-toi lire, empêche-toi lire la Bible. Qui fait te lire le livre au moment de lire les trois états avant de trapper la Bible 15 minutes de 15 minutes? Pose-toi la question, pourquoi? Je suis capable d'être un film troisième temps. Il arrive énergie, ma tête de l'hygiène, gros. Viens, à terre là, il saute loin de pied. Elle est finie. Et encore, c'est une grosse télévision, je saute là-bas. Vous êtes fait comprendre? Mais pourquoi, comment on commence 15 minutes de prière? Seigneur, vous glorifiez un Dieu, tu me. Pourquoi? Qui fait quand tu commences par la langue? Il dit, qui te peut dire? Mon pécose franc. Amen, 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 amen. Même si je ne pas dire moi, amen, je connais qui te fait clic dans cette tête. Amen, amen, amen. Quand tu commences par la langue, qui te peut dire? Qui fait te peut dire ça? Ça appelle ça par la langue. Tu vas trouver, tu peux faire vilain, tu vas trouver qui te m'a nouveau, qui te peut. Le diable cause comme ça, il y a? Amen, amen. Qui te peut dire? Qui te peut raconter? Toi-même, tu ne peux pas comprendre. Nous disons maintenant, je te connais la vérité pour affranchir. Te dire mon mystère. Maintenant, ce qui tu es là pour parler. Tchombo. Simple fois là, je te partage une affaire avec eux. Frère, je lis la Bible, arrive à des trois chapitres, je perds dans la tête, je ne peux pas comprendre. Je n'ai pas besoin de comprendre par l'intelligence. Je comprends par l'esprit. Amen. Lire où? Le Saint-Esprit même pour prendre sa même parole là pour me tirer. Je te rappelle ici les autres. Amen, amen. Le parler en langue, pas peur. Vous ne pouvez pas croire ça pour sortir. Non, non, non. Si le Saint-Esprit habite dans toi, tu peux recevoir la parole, tu peux recevoir le parler en langue. Je vais prendre un exemple. Michael Bini donne-moi sa livre là. Il dit moi comme cela, ça c'est mon ami, frère, ami, mon donne-nous dit. Je prends la Bible là. Oh, Michael, après je dis Michael, s'il te plaît, donne-moi la Bible là, Michael. Michael, donne-moi ça la Bible là, Michael. Michael, donne-moi lui. Michael, vous dites, vous pas fini de toi. Amen, 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 amen. Qui fait te mettre des mains de moi? Amen, amen, amen. Tout ce que tu as même dit, en moi. En moi. Si tu recevoir, tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Le Saint-Esprit vient overwhelm toi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit vient long toi, te sentir que la vie n'a pas pareil. Amen, amen. Que la vie transformée. Tu ne rentres pas, tu ne peux pas pardonner. Maintenant, tu ne peux pas pardonner. Mais qui s'en a en toi pour faire ça? Longtemps, tu tiens die-hard pas pardonner. Moi, je vais aller moi dans toi 10 ans, petit. Mais zoom, ok, dans mon reste, toi. Maintenant, tu peux pas aller simplement te rentrer. Il ne te calme. Jésus bénit toi, allez, allez, sortis là. Mais qui s'en aime peut faire ça en toi? Cause en moi. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous pas réalise sa présence dans nous. Et c'est ça que beaucoup peut fauter. Nous disons qu'il y a un tremblé. Soit nous disons qu'il y a un affaire peut s'accouiller. Soit faut nous rouler en bas pour le recevoir. Le Saint-Esprit pas oublié. Tout ce que commande le Saint-Esprit est un esprit qui est doux. C'est la même? Mais, bon, pas pour blasphème contre le Saint-Esprit. Il est capable d'arriver un jour dans la louange, adoration, tout le monde en bas. Amen, 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 amen. Laissez faire ce qu'il y a dans pour lui faire. Amen, amen. On met un point bien doctrinal. Laissez contrôler. Lui dit qu'on est qui le pouvait. Amen. C'est amen. Bon, pas dire qu'il quelque part est capable d'arriver un jour, poussé par le Saint-Esprit, Dieu dit, moi, mets tous ces dans quoi. Nous lève tous ces dans quoi, nous lève, nous commence à adorer. Bah, on est parti dans les cieux, nous fin de saison, nous. Amen, amen. Quand il était taille, il arrive 5 heures dans, tu vois. Laissez faire ce qui est lié là pour lui faire. Nous pas limite le Saint-Esprit. À cause de ça, qui sa parole, qui m'a fait cause avec eux là, moi je dis, Seigneur, moi-même, je vais payer pour ça. Mais c'est moi pourquoi, avec la crainte, parce qu'il m'a parlé, personne ne rate sa cadeau qu'appelle le parler en anglais. Amen. Moi je passe là-dedans. Et quand je passe là-dedans, je parle qui les autres aussi passent là-dedans. Aujourd'hui, si vous avez quelques mots, dis-le, ouvert, cause-en-lui. Il est capable de paraître étrange, il logique de paraître étrange. Parce qu'il ou même ou pas vous comprend. Je peux comprendre moi? Amen. Le Saint-Esprit est capable de finir, libérer toi, il en toi, il habite en toi. Mais maintenant, l'évidence du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Amen. Maintenant, pourquoi il y a un blocage? Vous terminez sur cela? Vous pensez, vous finissez dire tout? Pourquoi il y a un blocage? Parce que c'est un qui nous pourra arrêter demain, semaine à venir. Parce que le diable haïr quand tu parles en langue. Amen. Le diable est une seule action qu'il peut faire. Et le diable physiquement, il n'est pas pour qu'il touche toi.
Physiquement, il met ça bien dans la tête. Si le diable a tout toi, c'est qu'il te nouvelle la peau de la crainte. Qu'il te nouvelle, il carabine tout toi. Parce que quand Jésus-Christ est avec nous, dans le t'es tenté dans le désert. Le diable, c'est quelque chose qui a dit à lui, il a dit, moi, sans rose, sans faire sa vie, j'y peux. Lise ce qu'il a dit. Et maintenant, nous descendons enceintes, ça, du battlefield. Le champ de bataille, il trouve dans nos pensées. Amen, 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 amen. Si nous récitons le contrôle de sa pensée-là, nous gagnons le contrôle partout. Amen. À cause de ça, qu'il peut attaquer toi. Zodi, mon envie, j'ai besoin d'affaires. Nous vous mettons des bois un petit moment, nous vous parlons, nous vous chantons un chant, nous vous parlons en nom. Laisse les flots, vous pas pour qu'à fausse. Vous pas pour qu'à pas fausse. Si un quelqu'un ne parle en langue, c'est le temps de demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit voulait recevoir le baptême, mon vie comme toi. Et quelque part, tu es capable de commencer avec un petit qui saute. Laisse-les sortir, comme dire, un boule d'y fait. Amen. Laisse-les aller. Tu es capable de dire, qui fait mon petit Saman Mola, tu penses, premier, l'ennemi qui te prenne, c'est ton pensée. Amen. Il peut venir, il peut venir dire à toi. Qui te peut dire? Si tu récites qu'on contrôle tes pensées, tu contrôles beaucoup de choses. Amen. C'est la même? Le penser, tout ce qui est des pensées, ça fait bien dans les. Dieu permet un jour, dans le fondement de la vie chrétienne, de vous cause sur le penser. C'est la même? Tu connais qui cause de tes pensées, et les états, comment tu connais? Ça dit, mon âme fait trop de mal, pas pour lui. Si tu récites qu'on contrôle sa pensée-là, tu seras l'homme ou la femme le plus joyeux ou joyeuse sur la terre. Amen. Vous êtes la même? Amen. Dieu me permet, dans la semaine qui nous fait le fondement, de vous tous un sujet sur la pensée. Amen. La pensée, ça pouvait être. Amen. Maintenant, qui lui ressemblait? Il ressemblait juste tout qui chose. N'importe qui langage. Il y a des fois où on peut parler, on peut croire, on peut causer ta mille. On peut croire, on peut causer une vie. On peut croire, on peut causer un autre langage. Let it go. Tout ce qu'on a dit, laisse-y aller. Tout amen. Si quelque part, si tu es vraiment sincère avec le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, si toi tu fais quoi, tu fais faire une erreur, tu ne pas croire, c'était lui qui vous dit, hey, tu fais faire une erreur, tu peux t'en dire clair. Clair. This is not right. Maintenant, sa langue, ça, quand tu commences à dire, il peut venir un mot pour car, explique le temps. On peut venir Lola après, mais on peut mettre les bien calme pour ce qu'on comprend. C'est un love language of heaven. Amen. M'explique-le. Pour causer en créole, c'est un langage d'amour vers le ciel. M'explique-le comment ça va aussi. Je connais, il est facile de venir me dire, mon madame, gardez vos comptes en toi. Amen. Verbal. Mais quand quelque chose saute dans mon léquerre, je prends une rose, mon mini, soit un chocolat, mon mini, me donne. Ça, si c'est un langage d'amour. Ça, si c'est un langage. Oh, oh. Amen, 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 amen. Liez-moi, madame, là. Vous avez concentré. Oh, oui, mon compte en ligne, il connaît mon compte en ligne. Mais on m'explique ça, ça. Moi, quand je parle aux autres, il va venir, moi. Amen, 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 amen. Vous êtes la même? Ok, on va guetter du tout. Vous pouvez comprendre, moi? C'est un langage. Quand vous pouvez prendre sa rose, vous pouvez donner. Il n'est pas verbal, mais il y a aussi un langage. Amen, amen, c'est amen, une expression d'amour. Amen, amen, le parler en langue aussi, c'est une expression du ciel. Amen. C'est un langage d'amour du ciel. Amen, amen. Que vous même vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est où l'équerre, le Saint-Esprit prend contrôle de vous. Amen, amen. Et pour moi, je vais cadrer ça dans ma semaine à venir, vous expliquez ça. Mon cadre lit, c'est pour moi la prière parfaite avec un P capital. Amen. The perfect prayer. Parce qu'il fait, mon esprit n'arrête de penser, mon arrête de comprendre, mais le Saint-Esprit fait faire la prière, fait dire mon mystère du ciel. Amen. Vous avez compris? Amen, amen, amen. Maintenant, je prends courage. Ceux qui ne pas capables ou quelque part finir dire, mon père dit de parler en langue, c'est le temps pour reprendre. Pas moi qui vous faire ça, mais c'est le Saint-Esprit. Moi, amen. En fausse personne. Amen, 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 amen. Mais c'est le temps maintenant pour réveiller sa première amour, la mini. Laisse-lui sortir. Amen, amen. Laisse-lui déborder. Amen, amen, amen. Laisse-lui être rempli. Vous êtes la même? Amen. Laisse-lui sortir. Et la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, dit, n'éteignez pas le parler en homme, pas teignez. N'éteignez pas l'esprit, laisse-lui sortir. Amen. Vous êtes la même? Amen, amen. Et c'est ça qui nous vous met aujourd'hui.
Semaine prochaine, nous pouvons expliquer le livre. Il y a un gros controverse qui beaucoup de personnes pas comprend dans le livre de 1 Corinthiens. Vous pouvez terminer nos études de vous. Nous vous guettons ça semaine prochaine. Que Lydia, comment celui qui prophétisait les plus importants que celui qui parle en langue. Nous vous traverse tout ça là. Nous explique ça semaine prochaine. Nous vous rendons un petit peu plus profond dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Pour expliquer sa controverse là. Mais aujourd'hui aussi, moi, on vit des autres affaires. Ça, c'est le commencement de l'enseignement. Il y a encore quelque chose qu'il faut cadrer. Mais moi, je demande à par d'autres man réunion pour qu'il s'arrive à d'autres du bien. Amen. Est-ce qu'il nous permet de nous? Ma musicien, s'il vous plaît. Ma musicien, s'il vous plaît.